Depuis le 22 janvier 2024, tous ceux qui veulent venir étudier au Canada doivent avoir une lettre d'attestation provinciale LAP et l'inclure dans votre demande de permis d'études. Sinon, votre demande de permis d'études vous sera retournée. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les conditions qu'il faut respecter pour obtenir cette lettre. Et pour plus de détails, vous pouvez visiter le site nloja.ca. Si vous prévoyez étudier au Québec, votre CAQ peut vous servir comme lettre d'attestation à condition que dans votre CAQ, vous avez la phrase suivante. Cette lettre d'attestation confirme que le demandeur a une place dans la part québécoise des demandes de permis d'études ou qu'il en est exempté. Pour les autres provinces, vous devez attendre jusqu'au 31 mars 2024 pour savoir comment obtenir votre lettre d'attestation. N'oubliez pas que si vous allez faire votre maîtrise ou un doctorat, vous n'avez pas besoin d'une lettre d'attestation provinciale. Pour plus d'informations sur ces mesures, visitez le site nloja.ca. Sur le site, vous allez trouver un article qui explique en détail tous les changements. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur comment immigrer au Canada, d'aimer et de partager cette vidéo. Merci, à la prochaine.